il fait toc à bounde au coup d'état imaginaire. Oui, boy, on a des ordres. Oh, va créer un doute sur la réalité des faits. Au moment, l'Amérique, à partir de Peter Pan, à l'obby, c'est l'Amérique qui, grâce à l'Amérique, va déjouer un coup d'état. Le diplomate allemand, bah, non, il n'y a pas eu coup d'état. Dossier à monsieur François Béza lié à dossier à Kabound. Le régime, il y a eu des pèses. Bah, où t'as qui côté qu'à Iranium, na bah chinois, na bah coréen. Comme ce service cite aussi François Béa, bah monter sous ce dossier à coup d'état, faux coup d'état. Pour répondre toujours aux Américains. Pour la Biden, M. Chilombo a tombé en disgrâce. François Béa, c'est le trait d'union entre M. Chilombo, M. Kabila et M. Kagame. Pour ne pas passer à M. Chilombo pouvoir, condition à la qui, il doit avoir François Béa à ses côtés comme conseil spécial. Avant garantir Kabila, vous comprenez, avant garantir Kagame, et puis avant garantir M. Chilombo de par les sangs. Pour que François Béa va la sanctionner, Kagame doit donner son accord, Kabila doit donner son accord, mais c'est Chilombo. Béa n'a pas été auditionné. Sur les câbles, jusque-là, sur les câbles à ma possession. Il garde silence. Alors, le vélo côté. L'objectif poursuivi est Ali 1. Mais c'est Chilombo veut distraire l'opinion. Parce qu'il y a eu la diversion. Poto long, on a bilo, qu'on va mort. L'Allemagne, tant qu'on va planifier conférence, bah, mon intention n'a pas tout Ali. Bah, tu vas bien, faut toi envahir, c'est qu'à conférence de ça, mon Belgique. Na Kinshasa, on crée un faux coup d'état. Mais c'est Chilombo rentre vite à Kinshasa. À Mbango. Mais depuis qu'il est là, mais il n'y a même pas un procès à flagrance. Il n'y a même pas d'audition. On est salé avec beaucoup de propagande. Bakangi François Béa photo à l'année. Bakangi auditeur général, bah militaire, bah ça, tout ça. Nous avons auditionné. Bachang on a réseaux sociaux. Bah j'ai document, bah comme l'orange. Bachang on a réseaux sociaux. Bah j'ai bah grief. Oh bah tu as charge à François Béa avoir participé à des réunions de nature à mettre à péril la sécurité nationale. Bah tu as les réseaux sociaux. Non. Et grâce à montage. Bah, côté ici, na narratif, na discours, na imaginaire collectif, idée, y a coup d'état. Les peuples congolais, n'est-ce pas, toi, la mise sous Morezali, ce qu'on appelle les troisième aïe. Ton condima coup d'état, made in Rwanda, je sais de quoi je parle. Au salon marche, na présent Fayoulou, anti-glissement. Et Niko Mayengele ne sera jamais la contradiction de soi-même. Dès lors que ton tambour na présent Fayoulou, Batouba Koufa. Ok? Tomela ba gaz. Pour la couleur du fameux Chilombo, Oko glissete. Après 2023, le pouvoir est dans la rue. Même un militaire courageux, même un ancien mobutiste, même le peuple acquis au changement, sera lobby que non, na bengani bino ni koma bira, c'est un coup d'état légitime. Na kabana Frank Diongo, pour la couleur Chilombo, n'a pas eu 5 ans, maman. On a beau yaga papa. N'a pas eu 2023-2027. On a là qui déjà un état moukié. N'a pas eu son compte à Gisseni. Au combo, tu l'as vu son mabelété. Bon, kata charte, pour autre la mabelé. Bon, c'est qui ça, ba Lumumba, ba Kassavubu, ba Mobutu, ba Laurent Desgué Kabila. Pour dénominateur commun, la banque sur la qui, Congo est à la 1 indivisible pour Kata Congo. C'est la balkanisation du Congo. Pourquoi bon, l'ambassade Meredith? Bandeko Balandi a plus faire télévision la chambre de vérité Bandeko Balandi a émission vérité de tous côtés mbote na bino vous allez belé ba yebo koti sur na wanda kuna bino mukolo mwalelo na numéro ya sika auto kusali pembeni ya mwana mboka Niko Mayengele na benga kai esprit éclairé pambaté asili kopesa makanisi na ye na nzela ya Twitter ya ngwe memi biso pembeni na ye to yeba nini azali ko banza en rapport na détention ya chargé de sécurité ya Félix Antoine Tshombo tu sais qui
combo ya François Béa Ninezali Kolekana tokozwa biyano wana et pas maître Nico Mayengele président ya Congo normal premier citoyen normal tokolobela Maematali glissement topé dialogue oyo ezali ko se profiler à l'horizon topé en gestation tokozwa pe et ya nonaye en rapport na ba tuerie ba massacre oyo déjà ezali ko sala manakati ya mboka na biso dernièrement 56 Congolais, bakufa ki na ngambo ya Ituri, awa na Kinshasa, vingtaine na ngambo ya Wenze ya Matadi Kibala, tokozwa ya no ya maître Nico Mayengele, mais aussi conférence oyo ekosalama na ngambo ya Belgique du 17 au 18 février oyo bipayi wapi ba okende ko revoir ba frontière ya mboka la biso République démocratique du Congo, tokozwa position et à mettre Nico Mayengele. Sans plus tarder, n'a pas si merci à Dion Sobaye beaucoup sur la mandat qu'on a bino. Merci à Joël Gona gauche chasseur d'image aux joignis ma caméra puis à Daposta au azali ko assuré montage. Maître Nico Mayengele, premier Congolais normal, esprit éclairé, bonjour. Bonjour madame Joël Kombe, bonjour la mandé ko ya Ituri, Maagi. Au wa bengi biso pour notre situation sécuritaire et au empirer davantage. Bonjour à Mandeko Aminembwe, Bosana Bangote, puisque le complot est assez avancé dans l'Est. Voilà pourquoi ce tour-là est à Kinshasa, mais ma candidature est toujours dans l'Est. Merci, mon Mboka, Joël Kombe. Matondo mingi mwana mboka Nico Mayengele loko me biso pembeni na yo biso nso toyebi ete lelo na ngongo tozali ko solola lelo ezali yo deuxième hein soki alali lelo ezala troisième jour oyo François Béa ezali bongo Moïse sécurité à prison de la République ezali bongo na ba loko ya ner mais kasi loko la ba kongomani nyonso bazali ko pesa makanisi na bango aussi li ko tweeter tweet na yo lobi boye di feye ton kabundo au coup d'état utopique à passant par la feuille de route CENI a sorti du oui contraite les régimes multiplient des scénarios pour divertir le peuple meurtri qui veut bien en découdre en 2023 que les médiocres cessent de cacher leur incompétence la RDC saigne. Oui, merci beaucoup na Twitaki aussitôt na okaki biloko ya arrestation à mon amboka et François Béa, Béa va venir à Fantomax. Oui. Na chaki 24 heures à peu près 48 heures pour na meka interroger ba câble na ba réseau na pe ya information. Donc je suis parti de Kinshasa, États-Unis na Allemagne. Pour nous qu'on a vérifié qu'est-ce qui se trame derrière arrestation au Union soba lancé avec pompe. N'étant dans une information na tweeté. Dans le but de faire tout à bout au coup d'état utopique. Donc, coup d'état utopique et aller coup d'état imaginaire. Donc, ils allient et l'okoyo va monter en haut ma bé. Au moment à qui, depuis un certain temps, M. Chilombo a compris que le bilan est à zéro. Ils ont multiplié le scénario, ils ont multiplié le stratagème pour se victimiser vis-à-vis du peuple et puis à s'attirer une certaine sympathie populaire. En prévision, il y a 2023. Alors, ben, formation à ma possession, il y a tel que M. Obakangyo Nani, François Béa. Service à M. Chilombo, d'abord, il y a trois faisceaux d'informations, parfois assez contradictoires, mais je vais vous donner un point de vue. Nangai, puisque il y a un désordre, il y a créé un doute sur. La réalité des faits. Au moins, l'Amérique, à partir de Peter Pan, à l'lobby, c'est l'Amérique qui, grâce à l'Amérique, va déjouer un coup d'État. Ça, c'est l'Amérique. Au moins, les diplomates allemands, bah, non, il n'y a pas eu coup d'État, puisque pour l'Allemagne, il faut Félix Azalawana. Au moins, dans l'entourage à M. Chilombo, il y a guerre à positionnement. Bah, Fortuna Bisselele, bah en air il y a bah bio nani biocha oui na bah tomususu bah il faut bah mettre de côté influence il y a François Béa au moins François Béa est mon peu l'entourage naé a vu depuis un certain temps il a déjà démissionné parce que bah attribution naé mususu déjà bah mais quand il coampité en haut bah pesa qui na en air on y va créer plusieurs sources il y a information pour brouiller toutes les pistes. Alors, tant que tu continues à s'en mailler avec gilet à sauvetage, tu as mis
La vérité est que, un, dossier à monsieur François Béza lié à dossier à Kabound. Ah bon? Comment? C'est lié, tout est parti des services américains. Oh, bah intercepté, bah message, bah appel, bah document, que régime y a eu de PES, bah ou taki côté ka iranium, na bah chinois, na bah coréen. Il y a eu des carrés miniers, où ils ont contrôlé la présidence, la présidence de la République, la présidence de l'IDPS, le conseil spécial en matière de sécurité. Alors, quand on va créer, bah charger M. Tshilombo, bah, M. Wabi, tu as commis la même faute qu'avait commise M. Kabila. Kabila Laurent, ou après ça, iranien en Corée du Nord. Tu as commis la même bêtise, na oye ba soupçonnera M. Kabila, pour na iranium na Chine. Alors, tu as vu l'information que le régime na yopé, ba outi ko bimisa, manzanza. Tu peux, ba ogive ya iranium na Katanga. Maintenant, M. Tshilombo, na politique na ye, ya koza la Monsanto, donc gaite les autres, ndo moni. Aujourd'hui, j'ai encore des informations beaucoup plus claires. À monter le quoi Kabound pour n'aller bis à l'américain et je l'ai chassé. Est-ce que vous comprenez? Okay. On l'a chassé, il doit quitter les partis, on l'a exclu du parti. D'ailleurs, même dans le Parlement, bah, activé bah, député Palissade pour n'avoir pas sa mention. Bah, donc, on va bah, présenter comme une victime expiatoire. Je comprends. Pour répondre aux services américains. Quand, comme ces services citent aussi. François Béa va monter sous ce dossier à coup d'état, faux coup d'état. Est-ce que vous comprenez? Voilà, François Béa, Alina Sala coup d'état, on l'a arrêté, on l'a auditionné, d'ailleurs. Pour répondre toujours aux Américains. Or, il y a l'Amérique officielle et l'Amérique officieuse. C'est quoi, bah, lobby. Répondre officielle ou officieuse? Bah, lobby. Parce que l'Amérique officielle, Joe Biden. Il y a des gens qui estiment qu'il ne faut pas croire à Biden, mais j'ai des informations. Pour la Biden, M. Tshilombo a tombé en disgrâce. Donc, il n'est plus en odeur de sainteté avec l'Amérique officielle. C'est l'Amérique officieuse, bah, Herman Cohen, qui va soutenir tout. Il va pousser Tshilombo, va maintenir en force avec. L'appui allemand, Belgique, France, Rwanda, Ouganda, Afrique du Sud, Kenya, na Éthiopie. Si quoi, le problème, il y a François Béa. Quand on l'a arrêté, regardez. Pour François Béa, il faut comprendre qui il est. François Béa, c'est le trait d'union entre M. Tshilombo, M. Kabila et M. Kagame. Donc, c'est un élément, un facteur de confiance. On n'a pas pensé à M. Tshilombo au pouvoir, condition à la qui il doit avoir François Béa à ses côtés comme conseil spécial, avant garantir Kabila, vous comprenez, avant garantir Kagame, et puis avant garantir M. Tshilombo de par les sangs, les origines tribales. Donc c'est un trait d'union entre les trois. Pour que François Béa va la sanctionner, Kagame doit donner son accord, Kabila doit donner son accord, M. Tshilombo. Est-ce que vous comprenez? Il y a moyen qui, depuis qu'on l'a arrêté, qu'on ne vous trompe pas, je mets en garde M. Georges Kapiamba. Il doit faire très attention à vous divertir l'opinion. François Béa n'a pas été auditionné. Sur les câbles, jusque-là, sur les câbles à ma possession. Il garde silence. A bien, le vélo côté. Ma PC Bilei, Azan à l'aise. Au moins, il a tenu la photo à Fandi, à Lembi, à Kiti. Il y a un militaire auditeur. Na droite, au moins, il y a un bimi. Il va auditionner à Bowie. A bi, à Kolobé, le côté. Ça ne vous dit rien? Mais c'est Tshilombo rentre. Quoi que Tshilombo dans l'épée, moi, François, on va bien dans le bélo côté. Il est là, à Fandi, il y a deux jours, trois jours, il y a calme, avant de dire, avant de mettre à Fandi. Il est un repos. Est-ce que la mère peut auditionner le conseil spécial de la sécurité? Parce qu'il semblait qu'il y ait un renseignement. 14e région militaire. Renseignement militaire. François Béa, patron de la sécurité. Il y a un gérer. Dans renseignement militaire,
na ané renseignement civil. N'est-ce que vous comprendre? Ben formation qui est pas naé, il y a petit chef de l'État. Est-ce que subalterne a quoi entendre un supérieur? C'est mal monté. C'est mal monté. Normalement, c'est les cas à l'auditionner. L'auditeur général de la République, l'auditeur général des forces armées de la République, qui est un général, puisque la mère, t'as l'air d'affaire, t'as l'air d'abandonner pour monter du montage. Dans le team de leurs lettres, au balancé en haut. Aner a tindi maintenant Mukanda, Lelo na tongo, les 7. Na Société Orange. Bon, je l'ai un numéro, bon, vérifiez à Nani, bon, pèse en bas, les faits téléphoniques, bas message, depuis 2021 à ces jours. N'est-ce que vous comprenez? Si vous avez un cagnon, vous avez un élément. Deuxième élément de réflexion, montage mal monté, passez-moi la tautologie. Deuxième élément de réflexion, Ezali, bas, on reproché, selon les documents à ma possession, bas, lobby, Bazon soupçonné d'avoir tenu des réunions secrètes de nature à mettre à mal la sécurité nationale. Oui. Bah réunion secrète. Maintenant, on vous dit, à tenir bah réunion secrète, on conclut à un coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Tentative de coup d'État. Mal monté. En droit, lorsqu'on fait les coups d'État, il faut comprendre qu'on a des infractions. Au moins, on a les infractions manquées. Et les infractions impossibles. Une infraction manquée, comme un coup d'État manqué, et un loco et bandaka, il y a déjà un débit d'exécution. Il y a déjà des faits extérieurs, bassines extérieures. Au bandit, processus, il y a coup d'État, et ça a arrêté quelque part, indépendamment de la volonté. Il y a un coup d'État manqué. Qu'on me dise les faits extérieurs. Est-ce que Babette a sali ça na RTNC? Même Kabila a même monté à faire Eric Lenge. Eric Lenge a même le pouvoir. Akimi, Akimi, c'est là, c'est comme un hélicoptère Zolandae. Si y a comme là, c'est comme un bazou Eric Lenge, bâti un hélicoptère à Bimisi Namboka. Abimi n'a pas or, n'a pas diamant. Même Kabila a monté qui histoire à Mukungubila. Au moment où il bâti un militaire, va attaquer RTNC. Va attaquer Kankokolo. Babi, voilà la tentative au coup d'État. Mais au coup d'État utopique, imaginaire. Pour dire quoi? L'objectif poursuivi est allé 1. Mais c'est Chilombo veut distraire l'opinion. Parce qu'il y a des choses de diversion. Pourtant, le monabilo qui a mort. Et tout ça, les massicots. Parce que l'actualité, il y a 26 morts dans Matadikiba. Là. Mm-hmm. 56 morts dans Ituri. Mm-hmm. 9 morts dans Sélé. 26 morts, je crois, quelque part là. Or, ce sont les morts qui ont pêché comme sacrifice. Au moment là, on a fait un mandat. Pour comprendre, les initiés savent, quand un pouvoir a sali sacrifice, les âmes de masse. Donc le pouvoir a besoin d'âmes de masse. Si on a sali sacrifice de masse, au commun, et au conseil de ma vie à l'accident, soit tu crashes, soit tu nettoies l'automonie et l'électrocution, câble spirituellement, la kati a un maï, ok, électrocuté, tu vas couper physiquement. Ce qu'on peut moi indice qu'il y a sacrifice. Il y a des morts de masse. Au commun, les commanditaires vont se rendre sur les lieux. Pendant qu'on a déjà évacué les corps, ils vont arriver sur les lieux pour faire des incantations, pour contrôler les armes de masse. Nous avons un gouvernement central qui est le gouvernement provincial qui est là. Lorsque totalement la manette spirituelle, voilà, crime de masse. Au commun, le sacrifice de masse. Et qu'on a mené pouvoir en tant que décrété deuil national. Puisque il y a un roi de base pour sacrifier la population. Ce sont décrété deuil national et que contraire à la pratique magico-spirituelle. Puisque tu ne peux pas que tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de deuil national. Au commun, dans le même jour, accident Salemi, na matadi qui parle à 26 morts, accident Salemi, dans Sélé, Noah, et finalement, 9 morts, accident à Noah, dans Sélé, qui est des femmes. Accident, il y a Matadikibala qui est des femmes. On réclame les âmes féminines pour que bah, prolonger le pouvoir au-delà de 2023. Maintenant, pour parler de la vie, on a débat. Laissez-moi vous comprendre. Ça captivait le peuple. Bah, voilà, on crée un faux coup d'État. Utopique. Deuxième élément à diversion, pour parler de la vie, on a débat. Il y a Torolo Belango. Conférence à les 17, les 18 pour la balkanisation, puisque Kagame Bayamba qui est déjà bah, les 10 février, ah, là,
il a donné son accord puisque pour Bakata Congo ba tout dans des Kagame Est, c'est comme si Mabele Zaya Bango. Au Solanda. Au moment un autre fait d'actualité, Ouganda a signé accord et exploitation à notre pétrole à Lac Albert, 10 milliards. Même au même moment, on crée un faux coup d'État. Pour que tu parles ni du Rwanda ni de l'Ouganda, ni de la Belgique ni de l'Allemagne. Pour l'Allemagne, ils ont financé conférence sur la balkanisation du Congo. Ça a été préparé sous les règles d'Angela Merkel. C'est Angela Merkel à Yambaki Mese Chilombo à deux reprises. Chilombo aurait donné son accord. Maintenant, l'Allemagne, quand on va planifier la conférence, il y a une tension dans la porte. Il faut envahir la conférence de la Belgique. Na Kinshasa, on crée un faux coup d'État. On prend M. François Béa, qui est patron de sécurité. Il n'a pas représenté aucun général, aucun exécutant, et aucun début d'exécution. Il faut comprendre. Alors, Babimi, c'est un faux coup d'État. Dans le cadre de montage, M. Chilombo rentre vite à Kinshasa. À Mbang. Mais depuis qu'il est là, mais il n'y a même pas un procès à flagrance. Il n'y a même pas d'audition. Donc, mes services à renseignement n'opèrent pas à visage découvert. On est salé avec beaucoup de propagande. Laissez-moi comprendre. T'as bureau à honneur. Bureau à honneur. On est censé être inviolable. On est censé frapper dans son secret. Au Zolanda, Bakangi François Béa photo à l'année. Bakangi auditeur général, militaire, basan, bah, okengela, tout ça. N'a pas qui auditionné. Bachang on a réseaux sociaux. Bajou document, bah, comme l'orange. Bachang on a réseaux sociaux. Bajou bah, grief. Oh, bah, tiens, charge à François Béa. Avoir participé à des réunions de nature à mettre à péril la sécurité nationale. Bah, tiens, les réseaux sociaux. Non! C'est de l'amateurisme, c'est trop beau pour être vrai. On pouvait arrêter François Béa et continuer à enquêter sans que le peuple aille. Laissez-vous comprendre. C'est comme ça que ça s'est formé dans la CIA, dans le Pentagone, dans la FBI. Il y a des enquêtes, ça a mis 6 mois, il y a le peuple américain à habiter. Les enquêtes sur Ben Laden. On a Obama lancé, tout le monde dit Ben Laden, place tel, tout le monde attaqué. Non! On a gardé secret, qui a capturé Ben Laden vivant. Bakatie Moutou, Baki Batika ou na Maison Blanche, Baye Babou Akinzo Tonamaï. Donc ici, Bazon Laksabino ke, Eza ba mater, Bako monte, pour que Ba divertir, Topé Ba distraire opinion. Yango na moun, comme na poto, j'étais là, Ba se mobiliser davantage, alors, Baye Koyip sa peuple ke, un faux coup d'état, pour peuple la erreur, pas à la distraire, as à la désorienter, heureusement, bah oui, bah vous avez désorienté. Pourquoi j'implique l'Allemagne? L'Allemagne, quand j'ai interrogé mes câbles, les Congolais normaux qui sont Allemands, là bas partenaire bah SPD, au Zélande, les Congolais normaux qui sont même Allemands d'origine congolaise, bah non maître Nico, ils ont tourné officiellement, bah non, l'Allemagne protège le pouvoir, l'Allemagne veut que tu l'embrasses à tout le monde d'elle. Laissez-moi comprendre. Si quoi bah Peter Pan? Bah, on distrait M. Chilombo. Bah, non, non, on a déjoué. Ça, c'est l'Amérique. On a déjoué un coup. Pour que, quand le vrai coup va arriver, Chilombo a confiance à l'Américain, mais l'Américain peut les frapper. Donc, M. Chilombo a soit calme. Et l'avantage pour lui, là où je l'ai remercié, là où j'ai applaudi leur démarche, c'est que, aux à la surprise, madame, c'est que grâce à montage, bah, cotissi na narratif, na discours, na imaginaire collectif, idée y a coup d'état. Écoute, papi, ah, l'Afrique de l'Ouest, ils ont ça les mains. Laissez-moi comprendre. Apparemment, il y a eu tweet, il y a bien qui supprimé après, hein, dingue bélé ba kolba ya Barnabé, ou y a cela kolbé tamasolo ya coup d'état, lui qui note la RDC, la République démocratique du Congo ne sera pas épargné, y a onde ba ko relier to ba ko lier yango na mai o elekani a arrestation, tout petit détention ya François Béa. Pourquoi a-t-il supprimé après, hein, tweet naï? Non, Barnabé, moi je ne peux pas commenter sur Twitter, ni les tenants, ni les aboutissants. Ce sont les gens que nous, on a combattu. Barnabé n'a pas de leçons à donner, je vous l'ai dit. C'est un kabiliste, ils nous ont tués, ces régimes-là, des Kabila. Il a ses sources d'informations, moi j'ai mes sources d'informations. Donc je ne peux pas commenter sur sa démarche, puisque Barnabé, à cause de la démarche à coup d'État, tu es habité. Il y en a Kabila, tu es habité. Même Kagame, à cause de la démarche à coup d'État, tout est habité.
Même les Américains, vous avez des marches à coup d'État, tu es évité. Même les Congomanes, les vrais, vous appelez des marches à coup d'État, tu es évité. Donc je ne peux pas commenter sur pression en mouton et bien sous bassement en côté. Parce que je vous fais voir que Kagame n'est pas en 2023. Pour Kagame, Kagame anticipe. Mais c'est Chilombo. Kolanda no américain te, Kolanda Kagame te, Kolanda bakri a sirène te. Parce que si Kagame accompagne Wabine Tiko, démarche Ali, il va distraire le peuple et tout le cas 2023, Chilombo a zalawana. Et bah, pas qu'on a dit sur Bouzo, on va en parler. Maintenant, ce Kagame a monique, ma garantie. Il a imposé Chilombo. Hein, madame? Oui. Et qu'on s'imbatte, Kagame peut lui faire un coup d'État? Donc, ma côté si ma tanisa coup d'État dans le Congo. Laissez vous comprendre. Il pense que le coup d'État est comme ça dans Ngambo. Tout comme vous tapez dans Ngambo. Mais ma côté si on se comprend que le Congolais dans Twitter, dans les réseaux sociaux, Monsieur Babi, ah non, Monsieur Neto Aboye, ah, il y a caca. Comment on a battu Sigo? Monsieur Babi, ah, Monsieur Neto Aboye, ton Lembi, sur l'élection, tu es tombé dans Chilombo. Donc, Chilombo sait bien qu'on peut les chasser en 2023. Maintenant, il crée, il fait la politique, il y a victimisation. En aide ma victime. Mais c'est Chilombo. On planifie un faux coup d'État. On planifie un vrai coup d'État. Peuple à Kolongola en 2023, tout comme avant 2023. Le peuple congolais, n'est pas boué, tu as mis sous mon résali, ce qu'on appelle les troisième A. Tu conduis ma coup d'État, made in Rwanda. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Parce que Rwanda peut faire un coup d'État ici. Le pouvoir est dans la rue, madame. Et moi, c'est quitté. Peuple congolais, on dit, mon quel coup d'État, made in Rwanda. Aucun coup d'État même il Kingakati. Le peuple congolais qu'on dit ma pouvoir oh yemo kwa longo libino. Voilà na maman. Il y a ce qu'on appelle les coups d'État légitimes par exemple. Au Fandi Beniko Mangero Abi ah mais après tout. Bateau tellement que j'ai la puissance de fait en tout cas il faut sauver ce pays. Bon ah oh, non ça c'est un congolais là ça il veut sauver le pays. C'est différent. Mais on va aussi aller à la victimisation. Pour n'abattre sa matière, na seni, seni a oui contrainte na tweet. Voilà. Parmi les contraintes, contraintes sécuritaires, c'est-à-dire sécurité ça et ça prêté, moi tout ça élection exacte. Voilà. Donc mawana la contrainte au seni a c'est découpé ça, maître Nico Mayenge, tout ça les koyoka na senacé des solo ya glissement. Topé dialogue et qu'on s'est profilé à l'horizon ndenge tulobaka na falasi bakoloba eti kalamingi te le dengue déjà batindi denika dima annoncé topé zali ballon d'essai pour que ba préparer ba kongomani déjà pour être maponomi ezala te na 2023 raison aussi pour na ba politiciens ko kende na dialogue topé glissement et ko kabongo ko salema. Bon, ce qui est vrai, madame, la transition au Congo est inévitable. Je vous parle comme un esprit éclairé. La transition est inévitable. Transition pour ça, les madame Boko. Attendez, j'ai fait une réflexion. La transition, peuple, vous l'en aura bien. Transition est inévitable. Et la transition ne signifie pas la trahison. Pourquoi la transition est inévitable? 2023 élection a été. Ok. 2023, le pouvoir à présent Fayoulou. Tu penses qu'il y a 5 ans à gérer. Le président Fayoulou, le pouvoir en est ennemi et Sili. Président élu. Donc, pouvoir à présent Fayoulou aussi là, dans 2023. Président, pouvoir à M. Chilombo, et où tu as deal, nomination à Kingakati, et aussi là, dans 2023. À partir de décembre 2023, chez bateau au peuple à Benyani Bangote, na kande à insécurité dans l'Est, na kande à massacre, oyo sai madame Boka, na kande à Nzala, ce qui peuple à Benyani Bangote, na kande à ba projet de balkanisation, donc à néo ce peuple à Benyani Bangote, to continue à 2023, et vous allez à néo pouvoir, mais c'est Chilombo pouvoir, ou t'es la Kingakati, à Moïbi, et Sila. Donc pouvoir à Chilombo et Sili, pouvoir à présent Fayoulou, présent élu ou à exécuter, ça qui était et Sili théoriquement. Maintenant, le pouvoir sera encore dans la rue. Vous entendez? Même l'hypothèse où, puisque nous souhaitons ça, peuple appliqué article 64 à Benyani Batoyo. Mais c'est Chilombo, c'est ça notre souhait, article 64, la souveraineté appartient au peuple. Peuple à côté, la topé sa nani à sa la transition pour une élection.
Hollande. Il y en a une transition inévitable. La transition que moi je refuse et je réfute est à la transition avec M. Tshilombo. Hollande. Moi, Nico, je prends la transition sans M. Tshilombo. Puisque ce Tshilombo est bien gagné, il faut transition. Il faut tout pour la terre pour préparer l'élection. Maintenant, on dit matin, tout préparer l'élection ensemble, non, mais c'est Tshilombo, on est commis transition, trahison. Laissez-vous comprendre. Est-ce que vous avez une nuance? Oui. Parce que 2023, mais c'est Tshilombo au pouvoir en exilé. Maintenant, on fait quoi? Tshilombo dira, venez dans le dialogue. Tant qu'elle est dans la transition. Nico Mengele dira, peuple, bima, tout est dans la bango. Tout ça, la transition. Moi, des éléments communs. Des dominataires communs, transition, transition. Le président Fayoulou, contrairement à la presse moko périphérique, dans l'Andiawa, Fayoulou a dit transition. Fayoulou a la transition, là, mais c'est Kabila, Tshilombo, Kabila, Tshilombo, Katumbi, Bemba, à 4 ans. Monsieur, madame, s'il vous plaît, vous jouez dans la manipulation opinion, ni comment la marche à monter. Nous avons des intérêts, nous avons des avantages, nous avons aussi des valeurs. Autos, défendre. Le président Fayoulou nous a confié. Il a dit à l'Isala. N'a coupé sa messe Tshilombo ba béquité pour glisser. Pour le président Fayoulou, à ça la transition dans messe Tshilombo, il faut pas glisser. Hein? La libération du Congo et koya kaka na muto yo a ko négocier na Rwanda te, na Uganda te, na Burundi te qui sont nos agresseurs. Libération Congo et koya na muto oyo a ko vendre en ma Congo te. En Amérique, en Europe, en Asie. Libération Congo, il y a un bateau qui est conscient et consciencieux. Parce que ici, jusque-là, moi, je n'ai pas vu Fayoulou trahir. Je vous l'ai dit. Le jour où Fayoulou trahira, j'ai dit non à Franck Dion, qui est mon père politique. Je n'hésiterai pas à dire non à Fayoulou. Donc, Nico Mengele a garanti la rationalité, la intégrité. Nico Mengele a garanti le peuple, a rassuré le peuple qu'il n'y aura pas de glissement, pas de transition, pas de dialogue avec Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Moi, je vous l'ai dit, je suis un homme rationnel. Je suis un homme rationnel. D'accord. Tout ça, la marche, n'a pas été Fayoulou, anti-glissement. Et Nico Mengele ne sera jamais la contradiction de soi-même. Dès lors que ton temps est présent, Fayoulou, tu vas couper. Ok? Tu mets là bas gaz. Pour la couper, ça me c'est Tshilombo, au co-glissé. Je ne vois pas. Comment? Émissaire, Baba Nabobeta, Batoura, déjà. Baza déjà. Baza déjà. Baza Sibino déjà. Baba raison, ba contrainte, actuellement, notamment sécuritaire. Autour de Baba Solo, il y a Maïmaleka qui n'a béni, n'a itoui. Et ça dit qu'on continue. Est-ce que finalement, on ne dira pas? Parce que l'histoire se répète, hein, avec Papa et John Tshisekedi, autre tout le monde qui dialogue, Eden Kodjo, Ayaka Arboli, pas question kabiliste. Mais au Saint-Sylvestre, et au Salama, finalement, on a glissé. Madame, et la profession des fois dans l'aïe, c'est la position officielle à Congo normal. Na vie nanga, na oti kolobenga mais c'est Tshilombo président. Je ne vois pas comment on a négocié naé, tout partager pouvoir pour na benga e président. Ça serait une insulte dans mémoire dans l'aïe. Ça serait une insulte na combat dans l'aïe. Ça serait une insulte à ma personne. Maman. Même Nandoto Nico Mayenge l'a renégocié dans M. Tshilombo. Son nom, c'est le départ. Ce qui, président Fayoulou, un jour a négocié dans M. Tshilombo, va négocier avant 2023. Il va s'il en a avant 2023. Laissez-moi comprendre. Parce que ton soutien il peut sortir à crise. Ton lobby, bon, ça la nuance avant 2023. Non, là, c'est que je suis cohérent. Vous devez tout faire avant 2023. On réforme 2023. Dépolitisation CENI 2023. La Cour constitutionnelle avant 2023. 2023, monsieur Tshilombo doit partir. Laissez-moi comprendre. Mais après 2023, le pouvoir est dans la rue. Même un militaire courageux, même un ancien mobutiste, même le peuple acquis au changement, sera le que non, na bengani bino ni comme dira, c'est un coup d'état légitime. Laissez-vous comprendre. Je vous l'ai dit, je suis vraiment sincère. Puisque à ce moment-là, le pouvoir sera dans la rue. Mais ceux qui m'ont dit que, bon, Ningbo Kenene, mais c'est Tshilombo, c'est la béquille. Bon, le cas 2023, pour élection, c'est demain 2027 ou 2028.
Niko Mayengele ne mourra pas de la faim. Zolanda, je vais continuer les combats, je vous l'ai dit. Nakaba na Frank Diongo. Pendant que vous Chilombo, Naboye 5 ans, maman. On a boya ka papa. Naya konima Chilombo na 2023-2027. Papa Koulou, tout papa les gars convaincre. Impossible. Zolanda. Donc, et loko boyi. Et pas nabiso, soko sansi, ba milliers à soubi sans athée. Tu l'as dit, il sans la politique. Oh, il est sans la. Laissez-moi comprendre. Il nous a trahi à Genève. Il a trahi le pays à Kingakati. A Ketina 2023. A trahi Mboka à Rwanda. A Pessi Rwanda or à Kivu. A trahi Mboka à Ouganda. Le pétrole à la Talbert exploité par l'Ouganda à l'horizon 2025. Mabele à Congo et Kei. Burundi à Congo. Rwanda à Congo. Ouganda à Congo. S'il vous plaît. Ce qui est la tranche, c'est que vous êtes. S'il vous plaît, 30 secondes. Oui. Bon, là, tu peux s'entendre sur ma course et clé, on y a sali. Voilà, oui. Maman. Oui. Si tu as un binonion sur mon couler naïe, binonion sur mon endosser responsabilité à ma corps et à sali. Moi, je ne suis pas un opportuniste. Je ne fais pas la politique pour avoir les pouvoirs pour les pouvoirs, pour avoir les postes pour les postes. C'est un régime à mettre dehors. L'avantage, c'est que M. Chilombo est mis dehors avec son système, Kabila mis dehors puisqu'ils sont toujours ensemble. Nous allons mettre un terme à la collaboration à Rwanda, un terme à Ouganda, un terme à Burundi, tout bandi bitumba ya reconquête à unité nationale et intégrité territoriale. Ce qui vous sangani naïe, comme le katana pendant que vous tous vous êtes dans une même marmite. Laissez-moi comprendre. Il faut qu'il y ait les gardiens du temple. Voilà pourquoi j'ai dit la présidente Fayoulou. Et il a dit pas de glissement. Mais nous devons aller jusqu'au bout. Pas de glissement, le peuple se prend en charge, il a dit à l'Issala, nous devons récupérer ce pouvoir pour sauver la République. La République ne sera jamais sauvée par un dialogue avec M. Chilombo pour un glissement. Ce qui est au communion, il y a un changa micro, il y a un micro, il y a un micro, il y a un micro, après 2023. Laissez-moi comprendre. 2023, Timata, au nom de ça, le pouvoir, il y a partage. Moi, Niko Mayengele, il y a un gouvernement. Régime à M. Chilombo. Ndenge na boya ki Kabila. Ndenge na boya M. Chilombo. Ndenge na boya libele ya mama na ngai. Nazo mona te aujourd'hui, n'a accepté ce que j'avais refusé. Voilà pourquoi, à un moment donné, tu recommandes la phase, oyoyo, et posa là. Moutolisko, to tcha quelqu'un na tête en boka. Mais moutongo za la oya travers, ni na Kabila, mouze, ni na Mobutu, ni na Chilombo. Et je dois garder cette virginité politique. Au lieu de m'essuyer par un viol politique, et demain après demain, il y aura de l'impunité et réparation au sein des matières. Mais c'est ça! Mais quand on te viole politiquement, on te viole publiquement, c'est fini, on a valeur. Donc, Niko Mayengele préfère garder sa virginité politique. Et là, je serai envié par le peuple pour libérer le pays. Donc, bah, M. Chilombo Bakabunde, ce sont des gens que, qu'on a violés politiquement. Si donc, si aujourd'hui. On dirait à côté de l'école, il y a Joseph Kabila, il y a Ndika Kakolobate, il y a Kolobate. C'est dit à quoi, malgré ma union, il dit oh, les gani, les gani, les gani, les gani, les après, il y a Kenilaye, il y a un coup d'État. Pourquoi c'est silence? Non, silence à Kabunde, c'est simple. Il semble qu'il négocie avec M. Chilombo, il va préserver un terrain. Il va histoire de carré minier. Babi au moins 26 dépôts na Katanga. Ils sont prêts à être fermés, tout ça. On parle des dépôts, il y a des carrés miniers, des ventes à minerais. Alors, même un dossier à François Béa. Donc, c'est une crise des minerais. On a Kabunde, François Béa, Chilombo. C'est une affaire de minerais. Et ils montent le scénario Bango pour qu'il y ait distrait, il y a faire avaler, il y a couleuvre. Ça ne passera pas. Donc, M. Kabunde, pour moi, c'est, il appartient au passé. Voilà. Maître Niko Mayengele, pour finir, Nini Bino, résistance, vous allez vous préparer à la date 17 du 18, parce que le Bela qui est déjà en rapport à la conférence pour se tenir à Bruxelles pour nous revoir à la frontière et Africa. Mais tout est bien, la conférence vous allez pour la balkanisation et la Bela qui est en. Oui, le dossier à balkanisation à Congo, ça date. Des années 60. Lumumba l'avait prédit à l'objet la balkanisation du Congo, c'est demain. Et aujourd'hui, Batobali n'a plein de balkanisation à Congo, c'est l'Allemagne. Les Allemands,
Pourquoi bah, le Congo est katana? Parce que selon l'Allemagne, d'abord l'Allemagne est allée ancienne colonie, avant ancienne, la Rwanda est ancienne colonie allemande avant la conférence de Berlin 1885. Et puis Léopold II, quand on a Kati Afrique, quand on a, puisque le Congo na origine, il y a naissance, il y a état. Déjà, je m'adresse à l'Allemagne, la France, Macron. Tu dois faire très attention, tu es de ma génération. Il faut faire très, très attention, Macron. Tu as encore de l'âge, tu as de l'avenir. Revivre soit à ta 40 ans. Aux anciens présidents, Nico Mengele sera président de la RDC. Macron, Kosamba. Oui, histoire, tu voilà, tant que Congo est Botani, contrairement au pays Moussoussou, il y a des pays qui sont nés du fait du démembrement. C'est-à-dire, bah, Kati Bango. Mais le Congo est né du fait de la réunification des territoires. Hollande, okay. Bah, Royaume Congo, Empire Kuba, Empire Lunda, bah, Sangisi, bah, Empire et Sali Congo, avec K. Hollande, Congo et Botamina, réunification des territoires, bah, Empire, bah, Royaume, bah, société traditionnelle. Et c'est au prix du sang. Puisqu'il y a eu des rois, oh, bah, l'inakité. Et, bitoumbe, ça, les mapo, Congo, ils ont la ini, ils ont la nene, ça, boy. Et l'eau, quoi, beau temps, mais ça, c'est l'éna maquila. Aux hommes, il y a un homme, la maquila, ils ont tanga kaka. Parce que, unité à Congo, c'est l'éna sang. Bah, qui est le royaume, nani, na conférence de Berlin, rapidement, 1885. Nos ancêtres, nos rois, nos empereurs, bah, c'est là qu'il y a l'Allemagne, tout. Bah, c'est là qu'il y a Berlin, tout. Mais, bah, quand il monde, bah, le Congo, c'est 2 345 000 km2 et Congo est né indépendant. État indépendant du Congo. Et il sait. Vous savez, maman, nous sommes nés indépendants. Il y a un moment où on a vu ça, son liberté d'expression à thé. Pour te voir, t'as libre. On a donné la roi à Belgique pour gestion, il y a 2 345 000 km². Roi à Belgique, Léopold II, avait des origines allemandes. Est-ce que vous comprenez hein? Ce que l'Allemagne veut revendiquer intégrité territoriale à Congo pour dire qu'à l'origine, c'est notre roi qui était roi de Belgique, mais origine allemande, tant que tu kataki, il faut un belo topé sa Rwanda, n'est-ce pas comprendre? Autosong c'est la Ouganda. Alors que tant que kataki, Afrique, na conférence à Berlin, il y a un autre territoire qui sont entrés dans Rwanda. Puisque le roi Léopold II avait des origines allemandes, Rwanda est une colonie allemande, et on a fait des faveurs. Une partie à Gisenyi et à Mabele à Congo. Donc, ceux qui te bitent au Bunda, M. Macron, et Angela Merkel, ton Wel à Mabele, ton revoir ma territoire, ma frontière, il faut toujours une partie à Rwanda, ton zone ça na Congo. Moi, est-ce qu'on a mis débat? Et non, une partie à Congo, ton pays ça na Rwanda. Pour Rwanda, là qui déjà un état moukier. Laissez-vous comprendre. Déjà, dans la conférence de Berlin, Babaki, c'est là qui est notre parti. Babaki, c'est président la Rwanda et Zawana. Mabele, c'est content à Gisenyi. Si qu'on le loue, on constate toujours le peuple que voilà, tu revois la frontière issue de la colonisation. Mais il y a un principe de droit international, le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. N'est-ce pas que 2 345 000 km2 et a scellé la charte des Nations Unies. Toko Bundela, moi je veux changer charte. Bon, la charte des Nations Unies, bon, le principe de tangibilité des frontières est longue. Principe, il y a souveraineté du peuple sur ses richesses et longue. Principe, il y a autodétermination du peuple sur son territoire et longue. Principe, il y a le peuple, les droits du peuple à disposer de leurs richesses et longue. Ce qui est une charte, il y a les Nations Unies, Congo a ratifié Yango, voilà le Kati Congo. Mais tant que tu as un droit, tu as une histoire, et que le principe, ils ont garanti l'intégrité territoriale. Et tangibilité des frontières, beaucoup de la bise m'a belété. Beaucoup de la charte, beaucoup de la m'a belé. Beaucoup de la m'a belé. Beaucoup de la m'a belé. Beaucoup de la m'a belé.
ba Mobutu, ba Laurent Desgué Kabila. Pour dénominateur commun la bangolo sur la qui Congo est à la un indivisible pour au Kata Congo. Voilà pourquoi j'ai mis en garde l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa. Oh bah Bironeza à la boulevard 30 juin, na bâtiment à BCDC. Oh y a Moni qui encore joue bas peuple. A commis lettre na potentiel. Abinan, journal potentiel, au COSI, conférence le 17, le 18 février, et après au Kata Congo, questionné à l'ordre du jour, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut inscrire une telle question à l'ordre du jour? Ou ce sont des questions qui se traitent dans les salons diplomatiques, dans les couloirs? Il y a conférence? Ne prenez pas les gens pour les idiots! Puisque ici, vous pouvez vous réunir pour une question sanitaire, par exemple, aide au développement. Mais lorsque vous allez dans des commissions, les discussions secrètes, laissez-moi comprendre, c'est là que la question du Congo sera posée. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles, monsieur. Voilà. Il faut que Keba, toi, tu vas battre. Donc, ton Congo là, tel est mis dans le monde, a yébiqué, besoin d'agenda, agenda caché, Ali, agenda officiel, Ali. L'officier, c'est la balkanisation. L'officiel. C'est une conférence annoncée avec toutes les valeurs diplomatiques, des valeurs, il y a développement, il y a coopération, Zolanda. Mais ce qu'on appelle les dessous des cartes, c'est la balkanisation du Congo. Pourquoi bon, l'ambassade américaine, s'il vous plaît, ici, dans la théorie, il y a un gant de fer, non, une main de fer dans un gant de velours. Mon liboko, il y a un gant de fer. Liboko ali bende. Na lati gaya velour, mais liboko ali bende. Na zo karese, au moins gaya velour. Mais na kati, c'est le fer. D'accord. Et ça, c'est la diplomatie de l'Union européenne. La diplomatie de l'Occident, c'est ainsi que Soudan et Katana. C'est ainsi que Bakati mette belé dans le monde. Bakati qui a un discours, mais na cessé. Donc voilà, conférence wana, toi empêché à moi. Bon, c'est mobiliser davantage dans le monde entier. Bon, envahir le siège, Joana. Bissot, Kinshasa. Tu commets là déjà ambassadeur à l'Union européenne. Ah, on a dit, il faut faire très attention. Le Congo sera libéré même par l'effet de surprise. Demain, après demain, nous allons redéfinir nos relations avec l'Occident, avec l'Asie, avec le monde entier pour mettre en avant-plan l'intégrité territoriale, l'unité du Congo et aussi les respects du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Notre génération va devoir se battre pour que le monde entier nous respecte. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis Nico Mahingue, le premier Congolais normal, le président Congo normal, esprit éclairé pour nous faire un peu de temps à nous. Merci à vous pour vous aider. Merci à vous pour mon petit frère. Merci à Jean Bumbe West, Papa Laurent Bo, Papa Laurent Bumonda, à Moussanité et Christian Bopati, les référendums. Et puis, nous avons besoin de nous faire un peu de temps. Mais si vous avez un peu de temps, maître Nico Mahingue, vous avez un numéro de téléphone. Merci, maman. Vous avez un peu de mon état de santé. À bientôt. Je suis sous cure, je crois que au moins comment j'ai pris les médicaments et j'ai perdu un peu de poids. Mais pour l'intérêt à Congo, il faut toujours tout le baka pour mon temps au réalité. N'a réitéré venangai tout ce qu'on a manipulé même inconsciemment, puisque la tentation elle est forte. Au moins on va trouver ça va biller tout ça, bah on manipule sans qu'il y ait bah boutique à discours, il y a oyoté et tout ça jusque là. Le président Fayou a travaillé dans Kabila, a travaillé dans Mobutu, a travaillé dans Tshilombo, a signé par accord dans Tshilombo, a diminué aussi la transition jusque-là, au délai à 2023, a prôné non-agglissement. Mais c'est tout le monde qui a incarné l'espoir et la paix, qui a manipulé nos journalistes, c'est pour même y été. Moi j'avais dit que je soutiens le président Fayou. Azaki est élu pour 5 ans, on a soutenu Tina 2023. 2023, le pouvoir est dans la rue et le l'ego est Azaki, tout bien en régime, il y a M. Tshilombo, Kabila, Bakaga, Museveni. Alors, surtout comme en 2023, puisque c'est les balles de chauve, et à balles de chauve, au moins, on a qui fait quoi, mais Nico Mahingue restera les mêmes. Je ne trahirai jamais ma conscience ni mon combat. Et je ne me laisserai jamais dévierger politiquement par les recelleurs électoraux, par les vendeurs d'illusions,
par les traîtres de la nation, les gens qui sont au service de l'occupation. Je préfère garder ma virginité politique pour que Nazala dévolue à peuple, topé gardien du temple, aux fins de libération à Congo. Je sais de quoi je parle. La lutte est longue, la lutte va se poursuivre dans les respects de l'intégrité morale, dans les respects des valeurs républicaines, et jusque-là, le président Fayulu défend ces valeurs-là. Jusque-là, le président Fayulu a lancé mot d'ordre, pas de glissement. Le lendemain, peut-être, il y aura libération à peuple en vertu de l'article 64. Boti, quand vous allez manipuler les journalistes féminines, dans l'andibino, c'est masculin, dans l'andibino, que vous gérez, vous traitez sur base des actes et non sur base des intentions. J'ai vu avec le président Fayulu, dans tout ça, la réunion, ce qu'on a présent Fayulu, discours est clair, pas de glissement. Mais un homme politique ne dit pas tout. Ok, voyez les actes, demain après demain, mais moi j'ai dit tout en amont pour dire que je ne vais pas négocier avec M. Tshilombo. Il doit partir et il partira. 084-84-86-177. Voilà. 2023, tout sauf Tshilombo au pouvoir. La transition sans M. Tshilombo. Avant ou en 2023. C'est ça la thèse à Nico Mayengele. Transition sans M. Tshilombo. Na 2022, soyez peuple à Tomboki. Ton à 2023, soyez peuple à Tomboki. Mais coup d'état monté, M. Tshilombo, Tikano va ventir wana. Totimbelio. Merci beaucoup, Esprit éclairé, Maître Nico Mayengele. Merci à Jacques Makabou. Merci à Dakosta Popola Yombe. Joël Gona Gauche, chasseur d'image. Ozoama qui s'est ma caméra. Aussi, Pela qui m'émission. Likez et partagez. Zalim Baladibosso, Nandaviso. Kobo Sanate. Kosa Boni, Nakati, Akikar Télévision. La chambre de vérité, la chambre des informations réelles. Au revoir.